Régal vespéral, à la table de la parole. Régal vespéral, à la table de la parole. Régal vespéral, à la table de la parole. Régal vespéral, parole, brotabla. Et maintenant, frères et sœurs, écoutons notre message pour ce soir. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les messages pour Assoya, 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Moi, je demande à Dieu qui m'a posé pour faire nos faveurs pour nous vivre, pour les net aller. Comme ça, le Jésus-Christ, Seigneur, nos rois, va venir. Il va besoin de nous à aucun défaut, ni dans le corps, ni dans l'esprit, ni dans l'âme. Prions. Dieu très grand, toi qui éclaires notre nuit jusqu'à l'aube, béni sois-tu pour l'immense profusion de tes actions. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, un visage nouveau. Fais souffler sur nous un souffle de paix profonde. Bénis nos travaux de chaque jour et que ta parole fortifie notre cœur, raffermisse notre espérance. Que ton souffle divin nous régénère et fasse jaillir ta lumière en nos cœurs. Que nos vies fécondent de paix à ton vent par ta grâce, éveille en nous l'amour de Jésus. Maître de la vie, rends-nous meilleurs, fais-nous accueillir ton message et vivre selon la justice. Donne-nous d'accueillir aujourd'hui et chaque jour avec un cœur pur ta parole pour qu'elle nous guide sur le chemin de la justice et de la paix. Garde-nous du péché, purifie nos âmes, fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Donne-nous force et courage au milieu des épreuves. Oriente nos désirs vers le ciel. Puisse tes enseignements pénétrer nos cœurs et transformer nos vies. Père de toute miséricorde, accorde à notre peuple souffrant d'être soutenu par la prière de Jésus lui-même. Donne au pays la joie de donner naissance à de meilleurs enfants qui soient capables de prendre soin de lui, de défendre ses intérêts. Accueille notre prière pour les personnes malades. Fais-les bouler d'amour pour toi qui interviens toujours avec miséricorde en faveur des démunis. Remplis leur vie de l'effusion de ton Esprit Saint pour ta louange et pour ta gloire.
Ravis les cœurs de nos parents, des tout petits aux plus âgés. Envoie sur eux un rayon de ta divine lumière et de paix. Accorde une abondance de grâce à nos amis, à nos bienfaiteurs, à ceux qui se confient à notre humble prière. Porte secours à ceux qui traversent des moments orageux. Montre ta miséricorde aux souffrants. Envoie le corbeau céleste apporter du pain dans nos maisons. Fais souffler un grand vent de paix sur notre peuple. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonne soirée.